Comment ça va? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que notre Dieu est bon? Dieu est bon, il est fidèle, il prend soin de nous. Et quelle joie d'être là tous les dimanches, d'être quel privilège de pouvoir venir se réunir avec le peuple de Dieu et adorer notre Dieu qui est tellement bon et fidèle envers nous. Maintenant, nous continuons notre série sur l'épître de Paul aux Romains. Euh, Quelle épître! Hein? La parole de Dieu est tellement riche, elle fait du bien. Et le titre de la série, c'est cela Fide, qui veut dire la foi seule. On a beaucoup parlé de la foi, mais c'est important dans l'expression, c'est le mot clé, c'est seul. C'est-à-dire que nous sommes justifiés, sauvés par notre foi seule. Ça veut dire quoi? C'est comme quand tu vas dans un café. Vous savez, les cafés aujourd'hui, c'est à peu près tout sauf du café noir. Ah, tu dans une place qui commence par star et qui finit par box, je ne le nommerai pas. Tu arrives là-bas puis on dit ou bock. box ou euh, box. Box. tu arrives là-bas tu demandes comme un café puis la jeune fille te regarde comme quelle sorte de café? Juste un café. Pis là elle te regarde, puis c'est comme ça dit vous êtes sûr que vous ne voulez pas un café à la citrouille avec crème fouettée avec des pépites de chocolat avec un petit latte de crème irlandaise? Non. Non, j'aime mon café noir et j'aime mon évangile simple sans crémage. Jésus seul par la foi seule. Et cela c'est que dans l'histoire de l'Église, soyons honnêtes, on a présenté le christianisme avec toutes sortes de choses. On a mis du crémage, on a rajouté plein de choses, alors que le message de Jésus est simple, c'est-à-dire qu'il nous sauve par grâce seulement au moyen de notre foi en Jésus seul. Et c'est important de se rappeler que le seul... Euh, révèle que les chrétiens, on croit très peu de choses. Si tu compares avec les religions, tu compares avec plein de trucs, même avec des gens qui sont sans Jésus, on croit, il y a cinq éléments fondamentaux, puis on croit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est pas compliqué. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on appelait les chrétiens lors de l'Empire romain, l'Église primitive? Comment est-ce qu'on les appelait les chrétiens? On les appelait les athées. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas tous les dieux, ils ne croyaient pas tout le Panthéon, ils ne croyaient pas aux douze signes astrologiques. Ils disaient Mais nous, on croit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est le seul nous rappelle qu'on croit quand même très peu de choses. Et ce qui nous différencie, c'est ce qui souvent les gens vont dire, as-tu déjà entendu? Ah, oh, il y a plusieurs religions, mais un même Dieu amène tout à Dieu. Non, parce que quand tu prends l'hindouisme, le bouddhisme ou l'islam, on va t'enseigner ce que tu dois faire pour aller vers Dieu, alors que les christianisme, si tu n'as pas besoin de faire. Jésus a dit tout est accompli. Tu dois simplement te confier en Jésus. C'est un monde de différence. Et c'est pourquoi Spurgeon, un grand pasteur théologien, sur son lit de mort, le dernier visiteur qu'il a rencontré, il lui a dit la chose suivante. Au fur et à mesure que, que, que je grandis avec Dieu, maintenant sur mon lit de mort, ma théologie s'est simplifiée. Ma théologie se résume à ceci, Jésus-même. Hein, Êtes-vous d'accord qu'une bonne manière de décrire le christianisme, c'est Jésus-même? Et maintenant, on reprend, on s'est laissé la semaine dernière, donc Romains 6, versets 15 à 23. Alors que dans Romains, Paul déclare comment Jésus est venu nous sauver, nous pardonner du péché, comment on est déclaré juste devant Dieu par la foi seule, maintenant, il, il a commencé à dire que cette foi a un impact dans notre vie et que non seulement nous sommes en Jésus, il brise la punition du péché, mais il brise également la puissance du péché dans nos vies. Et si tu n'as pas écouté la prédication de la semaine dernière, je t'invite à le faire. C'est la deuxième portion. Et Paul enseigne une grande vérité. Le chrétien est libéré de l'esclavage du péché. Tout le monde veut être libre. Est-ce que tu vas être libre? Est-ce que des gens ici, tu l'impression que le péché est fort dans ta vie? Dis pas oui, fais un signe de tête discret. Est-ce que des gens ici, ça s'adresse pas à moi parce que je n'ai pas de péché dans ma vie? Lève la main. OK, merci, on est tous à la même place. On a tous besoin d'apprendre à marcher dans la liberté par rapport au péché. Et voici ce que dit l'apôtre Paul, Romains 6, verset 15 à 23. peut-être une petite parenthèse sur l'esclavage. Vous savez, souvent, on, on voit les textes bibliques puis on confond l'esclavage de l'Empire romain, à l'époque de l'Empire romain, avec ce qu'on a connu avec, euh, au niveau des, des Afro-Américains. Il y a quand même des, des différences. Premièrement, l'esclavage dans l'Empire romain était social, n'était pas racial. Donc, ce n'était pas basé sur l'ethnicité. Deuxièmement, dans l'Empire romain, souvent, l'esclavage était volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'assistance sociale à l'époque. Lorsque tu es pauvre, ton dernier recours, tu peux devenir serviteur de quelqu'un, ça te permet de survivre. Donc, aux États-Unis, ce qu'on a vu, c'était continuellement involontaire. Dans l'Empire romain, quelquefois volontaire. Et on voit qu'il y avait des droits. Et dans l'Église de Rome, il y avait des esclaves des esclaves qui étaient là, et Paul fait une analogie avec leur statut pour démontrer que Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Si vous êtes toujours là, dites « Amen ». Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. « Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce Ben non, certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. En plus, je fais une illustration. L'illustration n'est pas parfaite, mais afin que vous puissiez comprendre ce que Jésus a fait dans vos vies. De même donc. Que vous avez été livré, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Hein? C'est-à-dire, quand tu quand étais sans Jésus, tu n'en avais rien à faire à la parole de Dieu. Donc, tu étais libre par rapport à ce que Dieu te demande. Quels fruits portez-vous alors Des fruits dont vous avez honte maintenant, leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, Libéré du péché, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui amène Oui, on peut acclamer le Seigneur si vous croyez cette vérité. Qu'est-ce qui amène l'apôtre Paul à parler d'esclavage spirituel On a vu la semaine passée, le parler de comment en Jésus nous sommes morts au péché. Maintenant, Paul a dit une chose suivante. Il a enseigné que le chrétien n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Et encore une fois, il y a des chrétiens qui entendent le message de la grâce et qui abusent de la grâce. Maintenant, la réponse, ce n'est pas de prêcher moins la grâce. Ce n'est pas parce que des gens abusent de la grâce qu'on doit moins prêcher la grâce. On doit juste expliquer que la grâce qui pardonne est la grâce qui purifie également. En ce moment, des gens comme qui me disent Ah, oh, mais pasteur Guétan, vous prêchez beaucoup la grâce au portail, il faudrait prêcher la loi pour équilibrer. Mais on, la loi, elle est là, mais c'est important de comprendre c'est quoi le lien entre les deux. C'est pas parce que des gens abusent de l'air. Hein, Respire beaucoup, là. C'est pas parce que tu abuses de l'air qu'on va te couper l'air. C'est pas parce que des gens abusent de la grâce qu'on va cesser de prêcher la grâce. L'important, c'est de comprendre que cette grâce-là, ce qu'elle change. Et Paul dit aux chrétiens, vous n'êtes plus sous la loi. OK, ça veut dire quoi? Il a enseigné que par nature, nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire que l'être humain est incapable de répondre aux standards de la loi, de la parole de Dieu, et que nous sommes tous coupables devant Dieu, c'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Par exemple, j'ai commencé à courir près de chez moi, il y a une piste de course intérieure, et il y a trois corridors. La première fois que je suis arrivé, c'était intéressant parce que c'est un corridor, c'est écrit rapide. J'ai commencé à aller dans ce corridor-là. Rapide. Intermédiaire et, pas lent, non, modéré parce qu'on veut faire de peine à personne aujourd'hui. Okay? Je vais y revenir. Donc, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, moi, je suis en forme. Je cours dans le corridor rapide. Je me suis rendu compte assez rapidement que je n'étais pas à la hauteur. Et j'ai compris que le corridor rapide, ce n'est pas pour les pasteurs qui empêchent les athlètes de vivre leur vie. Donc, j'ai compris que je n'étais pas à la hauteur, c'est un corridor de performance. Je ne suis pas à la hauteur. Donc, quand tu cours là et que tu n'es pas rapide, tu te fais juger, tu es coupable. La Bible dit que, qu au standard de la parole de Dieu, nous ne sommes pas à la hauteur, personne n'est capable de performer. Donc, ce corridor-là n'est pas pour nous, nous sommes coupables. Et Paul dit vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est-à-dire, en Jésus, il y a un nouveau corridor qui s'ouvre devant toi. J'ai mentionné que tu as le corridor rapide, euh, intermédiaire et modéré. Ça, c'est mon corridor. J'aime le corridor modéré. En fait, je l'aime parce que c'est pas vrai que je suis modéré, je suis très lent. Quand je cours dans ce corridor, ça me fait du bien parce que ça me donne l'impression que je suis meilleur que je suis en réalité. Et quand je cours dans le corridor modéré, c'est le plus lent. Je vois des fois des athlètes qui me dépassent, puis je les vois me regarder, puis me juger un petit peu en disant ah, « t'es lent, t'es lent ». Et j'ai juste le goût de crier « je ne suis pas lent, je suis modéré <laughs> ». Puis en fait, il y a une dichotomie entre ce que le corridor dit de moi et ce que je suis. Et ça, c'est exactement être sous la grâce alors que Dieu nous déclare juste. Si on se regarde en expérience, on ne se comporte pas comme des justes. Dieu nous voit mieux que ce qu'on est. Dieu te voit modéré alors que tu es très pécheur. Maintenant, je ne dis pas qu'on est modéré dans le péché, tu comprends, c'est comme la justification, c'est une imputation, c'est autre chose. Et maintenant, il y a des critiques qui ont compris ça. Il y a des critiques qui ont compris que la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu et le salut et le pardon de Dieu sur ma vie ne dépendent pas de mon obéissance à la parole de Dieu. Ils ont tellement compris la grâce de Dieu qu'ils vivent comme ils veulent. Exemple dans ma piste. Toutes les fois que j'étais courir, c'était dans le sens horaire. Vendredi passé, je vais courir et j'arrive et je me rends compte que tout le monde court en sens anti-horaire. Ça ne fait pas mon affaire. Moi, je suis un être d'habitude, j'aime quand les choses sont pareilles. Maintenant, je ne peux pas dire à tout le monde, il y a comme 20 personnes qui courent d'un bar, je ne peux pas courir de l'autre bord. Mais pendant que je me change, j'arrive, je sors, et finalement, c'est un, un, un club de course, ils sont tous sortis. Je suis seul. Je décide de partir une nouvelle loi. Je dis, je vais courir de l'autre côté. Alors que tout le monde est en sens anti-horreur, moi, je vais aller dans le sens horreur. Puis je me suis dit que les gens vont arriver, puis ils vont me voir, puis ils vont juste me suivre. C'est pas vrai. C'est pas ça qui est arrivé. Commencer à courir. Puis là, à un moment donné, je vois du monde qui. Tu sais, quand ça fait dix personnes qui sont en sens inverse de toi, n'est pas eux autres le problème, c'est probablement toi le problème. Puis là, quelqu'un qui me dit Non, mais tu ne connais pas la loi? C'est ça la loi. Je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi. Il dit Tu ne connais pas la règle? La règle? Date peur, sens horaire, date impaire, anti-horaire. Nous sommes une date impaire. Ah. Ce n'est pas parce que je suis sous la grâce que je suis sans loi. Je ne peux pas faire ce que je veux. En tant que chrétien, ce n'est pas parce que Dieu me traite sur la base de la grâce et non de mon, de mon obéissance que je peux faire ce que je veux de la parole de Dieu. Je suis tenu par, par mon camp. Je vais obéir à la loi, pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Ça, on l'a souvent enseigné. Vous êtes toujours là? OK. Et Paul va dire... Paul enfin fait, veut répondre. dans Le premier, vous savez, j'ai parlé qu'il y a deux bébés, deux, deux, deux distorsions du christianisme qu'on retrouve dans les églises, qu'on retrouve ici. Il y a les légalistes qui, eux, font les choses par obligation, puis ils ajoutent, ils font se mettent des règles parce qu'ils croient, ça les sécurise, ils croient que par les règles qu'ils se donnent, que la faveur de Dieu va venir, mais pas les vise les antinomismes. C'est ceux qui disent, moi je suis sous la grâce, donc je peux abuser de la grâce. Puis il y a des affaires dans la parole de Dieu, je ne suis pas obligé de respecter. Exemple, l'alcool. Il y a des chrétiens qui ont une position légaliste. C'est-à-dire, il y a une loi, un chrétien ne doit pas prendre d'alcool. Si tu bois de l'alcool, tu n'es pas un bon chrétien. Puis as, à l'opposé, tu as des antinomistes qui disent non, non, nous sommes sous la grâce, donc je peux être ivre régulièrement. Je peux boire, boire, boire sans contrôler mon alcool. Alors que le christianisme dit l'alcool est un don de Dieu. Et je dois glorifier Dieu quand je consomme de l'alcool. Par exemple, il y avait des légalistes qui disaient un chrétien ne devrait pas écouter la télévision, c'est le monstre à un œil. C'est mal. Ça, c'est du légalisme. La, la Est-ce que la Bible dit que le chrétien écoute pas la télévision? Voyons, dans quel monde tu vis. De l'autre côté, tu as des antinomistes qui écoutent plein de trucs sans jamais se poser la question si c'est bon pour leur âme. Le chrétien peut tout regarder. Est-ce que c'est bon que tu regardes de tout? Le christianisme dit, encore une fois, tu peux tout voir. Moi, il y a un moment donné, il y avait une série, tout le monde la voyait, tout le monde écoutait la série, tout le monde me disait, il faut que tu écoutes ça. C'était partout, partout, partout. Je me sentais mal, j'étais seul qu'il ne l'avait pas vu. À un moment donné, je décide de partir la série. Tu sais, au début, tu as le rating. Tu sais, à un moment donné, tu as 16-18 ans, là, c'était rendu quasiment 34 ans, là, c'était. C'est déjà quand je vois nudité, sexualité, horreur, j'ai comme déjà, ça ne part pas bien. Maintenant, tu peux l'écouter, moi, en tant que chrétien, je me dis, c'est peut-être pas bon pour mon âme. Pas parce que je suis obligé, parce que le Saint-Esprit en moi fait une œuvre et je veux honorer Dieu par la parole. C'est toujours là, dis « Amen ». Donc, on est toujours pris. On est toujours pris. Le légaliste dit, tu dois lire ta Bible à tous les jours, tu dois la lire en un an, sinon Dieu ne sera pas content. Combien de gens, quand tu n'as pas ton temps avec le Seigneur, tu dis, oh Seigneur, le jugement va venir. Puis tu as des antinamistes qui ont tellement compris la grâce, qui dit non, 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 nulle part, ça dit qu'il faut lire la Bible en un an, ni la lire en dix ans. Le chrétien n'a pas une règle. Le chrétien comprend que la parole de Dieu dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Il y a quelque chose dans ton cœur, tu vas être en communion avec Dieu. Les habillements, l'habillement, le légalisme met, un, met des règles pour la faveur de Dieu. Vous savez que lorsque j'ai cessé de mettre la cravate, oh je mettais la cravate à l'époque. Il y a du monde qui, Preach it, Pasteur, preach it! Bon vieux jour. Quand j'ai cessé de mettre la cravate, il y a quelqu'un à la porte qui a refusé de me serrer la main en disant que tu es un mauvais pasteur. Légalisme, une loi. C'est écrit où dans la Bible? Mais de l'autre côté, il y a des critiques qui ne se posent jamais la question avez vous remarqué, dans la saison des mariages, il y a plein de chrétiennes qui deviennent antinomistes. Tu révèles tout ce que tu as caché pendant un an. Maintenant, il n'y a pas de règles. La Bible dit quoi? La Bible dit que le chrétien, une hein, femmes, il y a juste un principe de modestie, de pudeur, de est-ce que vous êtes toujours là? Donc, Paul met l'équilibre. Paul veut s'assurer. J'ai parlé du culte, hein, des gens qui disent Il faut aller à l'église, il faut aller à l'église, sinon tu te sens coupable. J'ai parlé la semaine passée de ceux qui... C'est important à l'église, sauf quand je suis malade, ça ne me tente pas les enfants veulent pas. Le chrétien vient à l'église pas parce qu'il est obligé, parce qu'il sait que c'est difficile que Dieu soit le premier dans ta vie, c'est pas le premier dans ta semaine. Tu sais que c'est un privilège. Il y a des gens à travers le monde qui meurent pour aller à l'église. On sait que c'est important de se réunir avec le peuple de Dieu pour offrir notre louange à Dieu. C'est toujours le dis Amen. je pourrais continuer, continuer, continuer. ça, on, on va évacuer l'applaudissement. Donc, Paul prêche la grâce et explique que c'est important de comprendre aussi la fonction de la loi. Donc le chrétien libéré du péché ne peut pas rester esclave du péché. Donc Jésus est mort à la croix pour beaucoup plus que te pardonner, il est mort pour te libérer. Voici ce que la Bible dit, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Tout le monde est esclave de quelque chose. Regarde subtilement autour de toi. Tout le monde est esclave de quelque chose. 100% des gens ici, nous sommes esclaves de quelque chose. Nous sommes soit esclaves du péché, soit esclaves de Jésus. Quelqu'un dit, non, moi, je suis dans une zone neutre. Non, ça n'existe pas. La parole de Dieu dit que tout le monde est esclave de quelque chose. Ça veut dire quoi? Peut-être que tu nous visites ce matin et tu te dis, mais non, hey, whoa, whoa. moi, là, je suis autonome. Hein? J'ai mon libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre Le libre arbitre, c'est la possibilité de faire des choix sans contrainte extérieure. Je vais travailler. Je suis ici ce matin par ma propre volonté. En fait, on pense que nous sommes libres, mais nous sommes esclaves de quelque chose qu'on voit pas. Par exemple, j'ai vu un documentaire dans il y a des prisons, à certains endroits dans le monde où c'est pas comme au Québec. Par exemple, une femme qui, qui est enceinte qui a commis un crime, on l'emprisonne puis elle accouche de son bébé en prison puis son bébé grandit en prison. Puis il y a des jeunes qui ont passé comme les 15 premières années de leur vie en prison, puis ils ne connaissent rien de la réalité hors de la prison. Pour eux, ça, c'est la vie. Et la Bible dit qu'on est né dans le péché et on ne réalise pas, mais nous sommes dans une prison spirituelle et on ne réalise pas qu'il y a plus que ce qu'on voit autour de nous. Et la parole de Dieu dit que nous sommes esclaves de nos désirs, par exemple, l'alcoolique. L'alcoolique qui ne peut pas s'empêcher de boire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le force à boire Est-ce qu'on lui met l'alcool de force Non, il le prend librement, mais il est esclave de sa passion. La Bible dit que chacun d'entre nous, notre chair, a des appétits et nous sommes esclaves. Jésus a dit Celui qui commet le péché est esclave du péché. Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais commis le péché Donc, tu es esclave du péché. Tu dis, je ne suis pas d'accord, tu t'obstineras avec Jésus. Nous sommes esclaves. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui domine dans ta vie? L'exemple, l'exemple que je donne souvent, le lion, tu lui donnes la salade et du steak, choisit toujours le steak. Pourquoi? Il choisit selon sa nature. L'être humain sans Jésus, on choisit selon notre nature pécheresse, on choisit librement le péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libérer de ça. Amen. Donc encore une fois, tout le monde est esclave de quelque chose et regarde comment Jésus nous libère. Jésus seul libère de l'esclavage spirituel. Jésus seul libère de l'esclavage spirituel. Verset 17. Après avoir parlé que tout le monde est esclave, mais grâce à Dieu, mon ami, c'est ici, tu nous visites ce matin, tu as besoin de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas être véritablement libre. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et la parole de Dieu énonce quatre étapes pour être libéré du péché. Premièrement, on commence, nous sommes esclaves du péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libérer. Vous savez, quand je parlais de l'esclavage aux États-Unis, lorsqu'en 1863, Lincoln, il y a eu la déclaration d'émancipation. Où on a déclaré la bonne nouvelle que tous les esclaves devenaient instantanément libres. Est-ce que tu savais que dans le Sud, il y a des esclaves qui ont entendu cette nouvelle-là mais qui n'ont pas cru Il y a des gens qui ont continué à demeurer dans l'esclavage alors qu'ils étaient libres. Mon ami, tu n'as plus besoin de demeurer dans l'esclavage du péché. Jésus vient annoncer une bonne nouvelle. Tu peux être libre en lui. Jésus libère du péché. Et la parole de Dieu dit comment? Bien, ça commence en obéissant, c'est-à-dire en croyant à, à l'enseignement qui a été transmis. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus quand on y pense? C'est que nous sommes esclaves. Nous sommes en révolte contre Dieu. Dieu nous, a, nous aime tellement qu'il ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Il a envoyé son fils. Son fils né d'une vierge. Pourquoi? Parce que si. Il vient selon la naissance de tous les humains, il est esclave aussi du péché, il doit venir de l'extérieur de la prison, pas de la prison pour nous libérer. Né d'une vierge, Jésus, jamais péché, jamais péché en parole, en action, en pensée, une vie de parfaite obéissance. Quand il est mort à la croix, ton péché lui a été imputé, lui qui était juste et mort pour des injustes. Mais étant véritablement le Fils de Dieu, la mort ne peut le garder, le ressusciter. Il est monté vers le Père et l'a envoyé son Saint-Esprit. Ce qui fait que quand tu crois en lui maintenant, la justice, cette perfection de Jésus t'est imputée. Dieu te voit comme Jésus. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi fait une œuvre. Cette justification se transforme en une œuvre de sanctification. Et celui qui croit en Jésus, tu crois que non seulement il est venu briser la punition du péché, mais il est venu également briser la puissance du péché dans ta vie. Et un jour, Jésus va revenir. Il va rétablir toutes choses nouvelles. Et nous avons l'espérance d'être dans ce monde. Où il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs, où toutes choses seront faites nouvelles et même où le mal ne sera plus présent. Ça, c'est l'évangile que nous avons besoin et c'est l'évangile de Jésus. Maintenant, confie-toi en Jésus. Et quand tu te confies en Jésus, il se passe quoi? La Bible dit tu es libéré du péché. Ça commence par la foi. Ça commence par croire que Jésus est plus puissant que ton péché. En Afrique, il y a une sorte d'antilope. Qui, qui peut sauter 10 pieds de haut et 30 pieds de loin. Et si vous allez dans les zoos, vous allez voir que cet antilope est gardé dans un enclos avec une barrière de trois pieds. Pourquoi? L'antilope a la capacité d'être libre, mais l'antilope croit que la barrière est trop forte. L'antilope, oui, croit le mensonge que. La barrière est plus forte qu'elle. Et en enfin, fait, dans tous les eaux de la planète, tous les antilopes auraient la possibilité d'être libres, mais le problème de l'antilope, c'est qu'elle ne croit pas. Je vois beaucoup de chrétiens qui sont derrière cette barrière que tu peux franchir, mais tu ne crois pas que Jésus t'a libéré du péché. Et Paul le dit encore une fois libérer du péché. Et ça commence comment Comment ça fonctionne OK. Est-ce que tu savais que quand tu viens à Jésus, il te donne un cœur nouveau? Pour trois personnes, les autres, écoutez bien ça. Quand tu viens à Jésus, il te donne un cœur nouveau. Ça veut dire qu'il te donne des désirs nouveaux. Est-ce que je peux entendre Amen? la même manière que le lion, il veut toujours de la viande, de la viande, de la viande, de la viande. Quand tu viens à Jésus, il te donne des désirs contraires à la chair. Il te donne une faim pour une chose que ta chair n'a jamais faim. Il te donne une faim pour ce qui est beau, ce qui est pur, ce qui est noble, ce qui est divin. Et tu vois, il y, a, il y a des nouveaux désirs qui prennent place dans ton... de nouveaux appétits qui prennent place. Vous savez, quand, quand je commence à fréquenter ma femme, moi, je viens de... de J'étais un gars qui a été élevé comme Montréal-Nord, Villeray, quartier Pau, maman c'est l'assistance sociale, qui... Tu sais, nous, on mangeait comme pâté chinois, croquettes, pizza pochette, pour on là. Donc, ma, 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 ma culture euh, culinaire n'était pas très développée. Puis quand j'ai rencontré ma femme, elle a commencé à me faire goûter des affaires. On a dit hey, je vais t'emmener manger libanais. ce du Liban français ça est pas fisqué, Mais On est loin du pâté chinois là ok. Et j'ai développé un appétit pour autre chose. Quand tu viens à Jésus tu développes un appétit pour autre chose que le péché. Amen. De nouveaux désirs. Et Paul dit finalement c'est là qu'on devient esclave de Dieu. Tout le monde est esclave. Toi, es esclave de ton péché, tu es esclave de Dieu. Pourquoi le chrétien est libre? Parce qu'on a changé de maître. On a changé de maître. C'est l'économiste John Kenneth Galbraith, qui, euh, grand économiste, qui euh, arrive à un moment donné à la maison, un après-midi, et dit à sa gouvernante, « J'ai besoin de faire une sieste, donc ne euh, dérangez-moi pas. Si j'ai des appels, prenez le message, je vais rappeler. » Le téléphone sonne, la gouvernante prend le téléphone, il euh, dit, Oui, j'aimerais parler à, à Kenneth. Elle dit Ah oh non, présentement, il est occupé. Il dit OK, il dit C'est le président des États-Unis. Elle dit Oui, je viens de vous dire qu'il est occupé, il ne peut pas répondre. Il dit Madame, allez le réveiller. Elle dit Non, je ne vais pas le réveiller. Il dit Je suis le président des États-Unis. Elle dit Je comprends, monsieur, mais je ne travaille pas pour vous, je travaille pour lui. <laughs> Une des clés, quand tu dis non au péché, tu dis au diable, Je travaille pas pour toi, je travaille pour Jésus. Ça, c'est mon maître. Tu as besoin de comprendre que toujours, souvent on l'oublie, mais chaque fois lorsqu'il y a une tentation devant toi, rappelle-toi qui est ton maître. Tu travailles pour qui, tu œuvres pour qui. Et la décision que tu prends, parce que je te rappelle que le chrétien a la capacité de dire non au péché, ça s'apprend, c'est difficile, ça prend des larmes, de l'effort, mais la grâce de Dieu va t'accompagner. Mais crois-le. Et ça amène la question super importante, fondamentale dans tout ce, ce, ce combat pour la sanctification, pour le processus par lequel Dieu fait le ménage en nous et nous amène à la ressemblance de Christ. Regarde ce qu'il va dire, verset 19. « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité. » OK, pour tous ceux qui sont chrétiens ici, là, nous avons assez vécu pour le diable, le monde et le péché. On a déjà donné. Est-ce que ça nous a rendu heureux? Est-ce que ça a répondu à la soif au plus profond de notre cœur? Non. On a déjà donné. On a déjà fait ce chemin-là. On le sait que ça ne marche pas. On a déjà été esclaves du péché. Puis à quoi ça aboutit? Ça n'a pas abouti au bonheur. Et on continue. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Paul va dire, il y a deux chemins. Chaque chemin aboutit à un résultat. OK, je te pose une question qui est une question toute simple, mais qui est vraiment fondamentale. Qu'est-ce que tu deviens présentement? Nous sommes tous en train de devenir quelque chose. Souvent on pense qu'on est... Non, on devient tous quelque chose. On devient tous quelque chose et je te pose une question qui nécessite une réponse très, très honnête. Est-ce que tu aimes ce que tu es en train de devenir présentement? Est-ce que les gens autour de toi aiment ce que tu es en train de devenir présentement? Je m'adresse à des chrétiens autant qu'à des non-chrétiens. Est-ce que tu es en train de devenir quelque chose que tu aimes? Vous savez, une des affaires, des. On a tous des, des, des situations, puis une des choses que, que je me dis souvent. Comme par exemple, vous savez, des fois, tu as un conflit, tu as, as un accrochage, puis. c'est pas vous, là, mais tu sais, des fois, tu pars une petite amertume dans le cœur, là. Amen, Amen oui? Moi, c'est pas mon témoignage, c'est Samuel qui me racontait ça tout à l'heure, donc je parle de lui. De, de, de. Puis vous savez, une des, choses que je, une des choses que je me dis, je ne veux pas devenir ce chrétien amer. Je ne veux pas devenir un chrétien amer. Je ne veux pas devenir un chrétien qui ne pardonne pas. Je ne veux pas devenir un chrétien dur. Je ne veux pas devenir un chrétien insensible. Et souvent, dans les batailles spirituelles de mon cœur, je dis, voici ce que je ne veux pas devenir et voici ce que je veux devenir. Mon ami, qu'est-ce que tu deviens? Vous savez, le, plus, le pire supplice de l'Empire romain, ce n'était pas la crucifixion. Les pires des pires des pires, lorsqu'on voulait vraiment offrir la torture la plus cruelle à un prisonnier, vous savez ce qu'on faisait? On l'attachait à un cadavre. On t'attachait un cadavre pendant des jours et des jours et des jours, puis on ne va pas te détacher. Donc, tu as des prisonniers bien en vie qui étaient attachés à un cadavre, puis il devait traîner le cadavre. Puis là, je vous évite les détails, mais puis tout ça. Et vous savez ce qui se produisait Est-ce que tu penses qu'à un moment donné le cadavre revenait à la vie Parce qu'il n'était qu'un prisonnier Non, c'est l'inverse. Hein, dans ce bas monde, c'est pas, c'est jamais jamais la vie qui redonne la mort, c'est toujours la mort qui contamine la vie. Et ce cadavre-là, avec tout ce qui se produisait, à un moment donné, le prisonnier attrapait des infections. Et la mort se transmettait à lui graduellement. C'est l'image que Paul a possiblement en tête. La Bible dit si tu es esclave du péché, si tu es attaché à ton péché, tu vas mourir avec ton péché. Mon ami, le péché que tu gardes ne va jamais t'amener dans la vie. Ce péché, tu te dis oui, mais c'est un petit cadavre tout mignon. La nature du péché, c'est la nature du péché, ton péché va toujours finir par te contaminer. Ton péché va toujours finir par te contaminer. La seule solution au péché, c'est de rompre avec ton péché et d'embrasser Jésus-Christ. La réalité, c'est qu'est-ce que tu deviens. Quelqu'un qui, 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 qui s'éloigne du Seigneur, qui devient froid. C'est quoi? Tu es attaché au péché. La Bible le dit, puis Paul le dit la semaine dernière, c'est que on est unis avec Christ. Quand tu es attaché au péché, c'est une chose, il va finir par t'avoir. Mais quand tu es attaché à Jésus, toute sa vie, tu es communiqué sa grâce, sa bonté, il y a une œuvre qui se fait en toi et tu deviens plus comme Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais je veux devenir moins comme le péché, plus comme Jésus. Et ça commence par à qui tu vas t'attacher. Qu'est-ce que tu deviens? Ce que tu deviens révèle à qui t'appartient. Ce que tu deviens révèle à qui t'appartient. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Le chrétien n'est plus esclave du péché, de la honte et de la mort. Si tu as Jésus... Tu n'es plus esclave du péché, de la mort et de la honte. Tu peux continuer de te comporter comme un esclave, mais ce n'est pas à ça que Jésus t'appelle. Tu as été libéré de l'esclavage, du péché, de la mort et de la honte. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut, comment est-ce qu'on peut marcher dans la liberté? J'ai lu une autobiographie de, de l'homme au Canada qui a eu, qui a été le plus longtemps en prison. Il y a un homme dont j'oublie le nom, il a passé 42 ans en prison. C'est un homme qui est sorti, en fait, toute sa vie adulte, il a été en prison, puis même lorsqu'il était jeune, il était dans des détentions juvéniles, 42 ans. Cet homme-là, toute sa vie, il a été prisonnier. Puis il raconte à un moment donné que lorsqu'il était libéré, il a loué un petit appartement, et son défi, c'est que même s'il avait un cat et demi, il vivait dans une seule pièce. Il dormait là, faisait ses besoins là, il mangeait là. Pourquoi? Tu peux sortir un gars de la prison, mais tu ne peux pas sortir de la prison du gars. Certains d'entre nous ont été esclaves du péché pendant si longtemps qu'on ne sait pas comment vivre en homme et en femme libre. Jésus, par le Saint-Esprit, veut t'apprendre à marcher dans la liberté. Et c'est pourquoi la Bible dit comprends que Jésus t'a libéré du péché. Tu as été libéré. Vous savez, il y a toutes sortes de courses, j'ai déjà parlé, plusieurs d'entre nous ici, on a fait des courses à obstacles, des, des peu importe les, les noms. Puis, je me souviens d'une épreuve où il y avait une poutre, puis il y avait de l'eau, puis il fallait aller sur la poutre. Puis moi, moi je pas, suis un peu gaffeur, je ne suis pas très bon dans la coordination, je ne suis pas très gracieux. Donc, la poutre, elle est très, très étroite. Puis, je me souviens comme, il y a des gens qui traversaient la poutre, puis moi, je me disais, ah, je marchais, là. je vais tomber, 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 je vais tomber. je vais tomber. Sais Tu sais ce qui s'est arrivé? Je suis tombé. Ah, Il y a des gens, tu penses à ton péché, tu penses à la porno, tu dis. Je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Tu penses au non-pardon, je vais tomber, je vais tomber. Tu penses à telle situation, je vais tomber, je vais tomber. Tu penses aux batailles de ton cœur, je vais tomber, je vais tomber. Si tu n'arrêtes pas de dire que tu vas tomber, tu vas tomber. Mais si tu comprends que Jésus t'a libéré, il te garde, il t'a affermi, tu vas arrêter de tomber. Je ne te dis pas que tu ne vas plus jamais tomber. Je te dis juste, le chrétien, ce n'est pas celui qui tombe. C'est celui qui, par la grâce de Dieu, se relève et tombe de moins en moins souvent. Et la Bible dit, c'est intéressant, il y, a quelques, il, y a, il y a un autre terme qui va popper, Paul va dire, il parle de la honte. On avait des fruits sans Jésus, chacun d'entre nous, on a fait des choses, il y a des choses dans nos vies où on a honte. Jésus vient pour briser la honte sur ta vie. Maintenant, c'est quoi la honte? Vous la différence d'ailleurs, premièrement, entre la culpabilité et la honte, souvent on confond. La culpabilité, c'est lié à ce que j'ai fait. En hein, te fait quelque chose, tu te sens coupable. Devant Dieu, on est coupable parce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. La honte, c'est une coche en haut. La honte n'est pas liée à ce que tu as fait. La, la honte, elle est liée à ce qui tu es. C'est Ed Welsh, un spécialiste au niveau du counseling biblique, qui dit La honte est le sentiment profond que vous êtes intrinsèquement imparfait, inacceptable, inacceptable et indigne d'amour à cause de quelque chose que vous avez fait, de quelque chose qui vous a été fait ou de quelque chose qui vous ait associé. Tous les humains vivent avec la honte. Chacun d'entre nous, on a fait des choses, on fait des choses dont on n'est pas totalement fier, que tous les pécheurs désamènent. Hein, c'est des choses qu'on a fait. Des fois, il y a des gens qui, qui ont honte de ce qu'ils n'ont pas fait. Des fois, on a honte d'un péché, d'une erreur, tout ça. Des fois, c'est ce qu'on nous a fait. Vous voyez comment c'est tordu. Il y a des gens qui se, font, qui se sont fait agresser, puis ils ont honte du péché de l'autre. Hein, des gens, tu t'es fait frauder, mais tu honte de ce qu'on t'a fait, alors que tu es une victime. Puis des fois, on a honte parce qu'on est as associé. Moi, je vous ouvre mon cœur. Des fois, je vois des situations, des, des pasteurs, il y a des situations, des, des scandales, puis j'ai honte. J'ai rien fait, mais j'ai honte. Des fois, ça peut être un membre de ta famille. Il y a des gens qui nous, ont, qui nous sont associés. Et la honte, c'est très, très, très fort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour terrasser la honte dans ta vie. Est-ce que je peux entendre à ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors que la honte dit qu'on a juste le goût de disparaître. La honte, c'est ça qu'Adam a fait. Pourquoi Adam a été se cacher? Si tu veux juste disparaître, c'est trop insupportable. Le regard de l'autre, c'est insupportable. Maintenant, Jésus libère de la honte en m'acceptant tel que je suis par en me couvrant de sa justice. OK, illustration. Je ne sais pas si ça va marcher, là, mais j'improvise, OK? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre votre douche de sortir de la douche et de ne pas avoir de serviette. Qui s'est déjà arrivé? Levez la main, je veux juste voir si je perds mon temps. Là. OK, parfois on est il y a du monde qui s'associe. Tu sors de la douche, puis il n'y a pas de serviette dans la salle de bain, c'est ce qu'on dit. Hein? Et là, tu es là, puis là, il faut que tu cherches rien. là, il faut que tu la serviette. Maintenant, tu ouvres la porte. Et là, imagine que tu arrives, tu tournes le coin, finalement, toute ta famille est là, « Surprise! » Ça, c'est la honte. C'est que tu es exposé tel que tu es. Maintenant, c'est quoi le plus grand réflexe? Quelqu'un arrive avec une serviette, un drap. La Bible dit que devant Dieu, on va être totalement exposé, on a honte. Mais Jésus te couvre de sa justice. Pourquoi tu as de la confiance? Il brise la honte parce que je suis couvert. Donc, oui, il me connaît tel que je suis, mais il me couvre de sa grâce, de sa justice et de son amour. Il m'accepte tel que je suis. Donc, le chrétien, il y a des choses qu'on a fait, qu'on a fait honte, qu'on n'est pas fier. Mais en Jésus, on est plein de confiance parce qu'il nous couvre. Et finalement, alors que les musiciens viennent me rejoindre, nous sommes libérés de l'esclave du péché, de la honte et de la mort. Et la dernière chose que Paul va dire, c'est un verset, on le connaît bien, mais on n'a pas le contexte souvent. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. La vie éternelle n'est pas un salaire, mais un don gratuit. Je le répète, Puis, il y a des gens ici, tu dis, Pasteur Guétin, ça fait dix ans que j'entends ça. Si tu es encore ici dans dix ans, tu vas l'entendre encore, mon ami. On n'a pas d'autre évangile. des gens qui t'y la première fois, ou peut-être que peut tu es avec nous depuis un petit bout, mais il y a un voile. Tu as besoin que je te, que je te le rappelle. La vie éternelle, ce n'est pas un salaire, c'est un don gratuit, c'est un cadeau. Vous savez, pendant mes études, je travaillais pour euh, une compagnie de télémarketing. Moi, tu dois savoir que je suis très mauvais en télémarketing. Okay? Téléphoner des gens pour leur vendre une balayeuse, là, puis on était payé à la vente. J'ai travaillé un mois, je n'ai pas fait une pièce. <laughs> Zéro, je, je, je travaillais 40 heures semaine, j'ai rien vendu. Mon patron, c'est un chrétien. Fait un moment donné, je reçois ma paie, puis j'ai comme un, un 100 Ce n'est pas un salaire, c'est un don gratuit. <laughs> Quand tu vas te retrouver lors du jugement dernier, tu penses que le salaire de tes bonnes œuvres, de ta religion, de tout ce que tu as fait, tu vas te ramasser, qu'il n'y a rien sur ta paie. La seule chose que tu as, c'est ce que Jésus te donne, la vie éternelle. Don gratuit. Et tu as besoin de comprendre que ce don-là, il y a deux niveaux. Premièrement, Jésus, la justice, l'œuvre de la croix, la première chose, c'est qu'il nous sauve de quoi? Il nous sauve de la colère à venir, il nous sauve de l'enfer éternel qu'on mérite. Ça, c'est la première chose. C'est dans les églises, il ne faut pas trop parler d'enfer, mais la Bible en parle. C'est pour ça que Jésus est venu, il nous a sauvés de l'enfer. Est-ce que je peux entendre en Amen? Est-ce que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux euh, ce vidéo d'une femme qui... a euh, avec les thermos Stanley. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, les thermos Stanley? Tu sais, Stanley, c'est une marque d'outils. C'est pas. Mais là, les madames, là, ça s'arrache les thermos Stanley. Pourquoi? Elle, elle a montré un vidéo où sa voiture a eu une explosion. Sa voiture a explosé, puis elle a brûlé. Puis elle a pris son téléphone, puis après elle a filmé. Puis tu vois, la, la voiture est toute calcinée. Elle ouvre la porte, le banc est brûlé, tout, ça, tout est tout a fondu. Et son thermos Stanley est là, intact, puis encore de la glace à l'intérieur. Ça, c'est ce que Jésus fait. Tu es intact en Jésus, peu importe ce qui se passe autour, le jugement peut passer, tu es intact en Jésus. Et on me disait, c'est Sam qui me disait que Stanley, la compagnie, a dit on n'a jamais eu une, tellement, c'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir, donc ils ont donné une voiture. J ça, c'est Jésus. Okay, Est-ce que tu réalises que nous sommes la meilleure publicité de Jésus que, que le monde a connue? Quand les gens te regardent, c'est une publicité. T'sais? Puis quand tu crois en Jésus, il y a une différence dans ta vie, puis les gens regardent, ça devrait pointer vers Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Et ça dit que le don gratuit, la vie éternelle est un don gratuit. Encore une fois, des fois, les chrétiens, ça fait des années qu'on lit la Bible, puis il y a des choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'une certaine redondance, don gratuit, c'est par définition un don. Si tu me donnes un don, envoie-moi pas la facture après. Ah, tu fais un cadeau à quelqu'un, tu, tu me prends un virement. Non, c'est un don. La Bible dit comme une évidence, c'est un don gratuit. Il qu'on comprenne vraiment c'est quoi la grâce. C'est un don gratuit. La vie éternelle, tu ne la mérites pas, c'est un don gratuit. Je termine avec ceci. Il y a un petit garçon qui va avec sa, mère, sa maman dans un, un magasin de bonbons un genre de grand dépanneur, tout ça, puis le propriétaire va voir le petit garçon puis avec une genre de bonbon puis lui dit, euh, « Tiens, prends, prends une poignée de bonbons. » Le petit garçon est comme timide, il ne veut pas. « Ah, vas-y, vas-y, je te le donne. » Il ne veut pas. Fait que là, le propriétaire du petit garçon, il met tes mains comme ça, fait que là, il prend une poignée, puis il lui donne des bonbons. Il sort du magasin, sa maman lui dit, « Mais pourquoi tu es timide comme ça? As, pourquoi tu n'as pas pris les bonbons? » Et puis prendre une poignée de bonbons, pourquoi tu as entendu que c'est le monsieur qui te donne les bonbons? Le petit garçon dit parce que sa main est plus grosse que la mienne. Ça, c'est la conviction du chrétien. On sait qu'on ne peut pas par notre propre main, mais nous faisons confiance à Dieu parce que si la main de Dieu est plus grande que notre main. Il nous donne le don gratuit de la vie éternelle en Jésus. Alléluia! C'est la parole de Dieu pour ce matin.